Oh putain, il faut que j'attende 4 ans pour me déclarer la guerre. Non, ça, le zone était dans. Ah, d'accord. T'as fait relâcher un truc? Bah, si, Owen, Non, j'ai c'est rien fait à cause relâcher, de la moi. manpower, tu vois. Oui. Ah, Le juste avant des questions. problème, c'est l'argent. Une fois qu'elle est Qu'est-ce rentrée, que tu bon fais jeu? la cave et l'arc, on s'en branle. Ah, ok, je savais pas. La fille, si je te passe une province, continue quoi, frontalière à Mais lui. moi, j'ai pas de casus belli. J'ai pas de casus belli. C'est ça, je finis par apprendre le dialecte du micro à Galpin. C'est au fur et à mesure, ça. Je comprends et tout, c'est. C'est comme avec un enfant de 4-5 ans, tu vois. Galpin, je suis ton père! Non, je déconne. Galpino. Qu'il a une belle France, hein. Putain, en 1502 avec la Bourgogne en plus, j'ai vu des Français moins gâtés que ça, hein. Clairement. Honnêtement, je pense qu'une alliance France-Ottoman, ça fait mal à l'Autriche. L'Ottoman veut pas, il suce l'Autrichien. Ah, l'Ottoman, il a encore beaucoup à bouffer en fait. C'est ça le La truc. fille, t'es prêt Pourquoi à se faire rester chier à aller contre au l'Autriche quand tu Portugal? peux encore bouffer le mamelouk et tout? Claire, j'ai aucun intérêt en Europe. Aucun. Si, Vas-y. un nid à merde, un nid à frelons, tu vois. Clairement, Bon, ça va te coûter plus cher que autre chose. Allez hop, c'est parti. Déclarer la guerre. Je m'en Ouais. fous, ça me Est-ce gave. que t'as une trêve? Non, si t'as pas... si t'as une trêve, ça sert à rien. Non, attends, 1600, Je t'attends 1600. encore 4 ans. Bah Bah ouais, oui. mon gars. Un E4. vitesse 2. E4, c'est de la patience, hein. Ah, ça. Tu te rends compte que j'ai annexé. J'ai annexé. Naples pendant 30 ans? 30 ans? J'ai rongé mon frein pendant 30 ans. À 30 rien ans, je faire. me suis chopé un roi de merde, un 0-0-0. Ouais, t'as eu de la paille de chance. En vrai, t'as Jusqu'à. pas eu de bol. Mec, t'as vraiment pas eu de bol. Jusqu'à Ouais, c'est clair. 46, 48. Mais Donc, bon, 4, excusez. avec un allié français aussi balèze, c'est pas normal que l'Aragon et le Portugais. Enfin, au moins le Portugais, vous auriez dû le tuer. Mais c'est le Portugais qui m'a foutu dans la merde direct en fait. Il a attaqué le Marocain avec le truc. Ils Mais m'ont tu lâché crois, des territoires. Du tu te coup, rends j'ai compte dû que là, les clés. tu t'en bats les couilles du Maroc en tant qu'Espagnol. C'est de la merde. C'est un nid de frelons, le truc. Ouais, enfin, la dernière fois que j'ai fait un parti perso, que j'attaquais la Castille, donc ici, Oui. Grenade, Hein? il m'a roulé dessus, le Marocain, il m'a explosé. Ouais, mais faut pas le. Enfin, c'est pas la priorité, hein. C'est un IA. Moi, je trouve que c'est un IA merde, hein, le Marocain. Dans le chat, vous êtes peut-être pas d'accord, mais je trouve que c'est. Voilà. Non, En tant en fait, je qu'Espagnol, il y a t'explique. d'autres priorités, tu vois. Quand le DLC est sorti, j'ai pris l'Espagne, j'ai attaqué Grenade et tout ça comme une partie basique. J'ai le Maroc qui m'a rushé, il m'a explosé. T'as J'avais pas plus de be... troupes T'avais pas et de il flotte m'a pour enculé. bloquer le détroit? Ah, mais il a Il a, explosé non, mais sa il a... flotte en fait. Voilà, il Le m'a explosé ma Castillan et le flotte et Marocain tout ont sur le le même truc. nombre de navires lourds au début de game. Eh bah, faut en construire. Et en plus, moi, je diffuse les vidéos où je me fais bolosser. Parce Ah, mais en fait, que moi, en c'est flotte. public! Non, C'est. nous, En fait, personne le sait. des milliers de gens Concrètement. voient l'humiliation! C'est encore pire! En fait, concrètement, perdre, je m'en fous, c'est pas ça. C'est juste que là, je me prends roi de merde. Pas de mariage Ah, bah, ibérique. t'as eu la Que des totale, trucs. Que des. Je hein. me Il a suis pris fait enculer, Alors, mais. en solo, j'ai fait des tests en solo deux fois l'Aragon, c'est pour ça que j'ai rush l'Aragon aussi, mais deux fois l'Espagne a eu le mariage ibérique dans mes tests solo. Au lieu de faire des guerres de merde pour Avignon, là, il te file un coup de main, vous niquez le portugais, vous niquez l'Aragon, genre, attends, tu t'es allié à Ah, bah quelqu'un allez. qui t'aide pas le machin. Il n'y a aucun intérêt à être allié avec quelqu'un qui t'aide pas. Hein. Allez, les filles, c'est parti, on va à la guerre. Et le Ah, casus merci, c'est belli, moche. c'est humiliation d'un rival! Et Ouais, merde, quoi. lé. Attends! Il s'est même pas déclaré de guerre, c'est bon, genre. Mais si, y a des claims, mais plein de claims sur le portugais là! Monte-moi à 100 là et tu mets 4 claims d'un coup, en plus tu me rendras même pas d'expansion agressive, quoique si maintenant je suis dans le coin. Donc peut-être que. Coalition! Faut bourriner là! Regarde comment j'ai fait le goré en Aragon quoi! Oui, mais ça, moi, tout ça, je le sais pas en fait. Allez, c'est Parce un tas qu'on me. l'Autrichien, calme-toi. T'as fait le goré, Ouais, l'Autrichien a fait le goré. mais... ouais, bah, Et toi, ça t'as s'appelle de la passé. diplomatie, tu vois. J'ai lancé ta save par curiosité, c'est pas bien, mais je l'ai fait. Et Oh. j'ai vu que t'avais des armées qui faisaient n'importe quoi à faire des missions Eldorado, là, à aller choper les cités d'or. Tu sais que tu prends de l'attrition en faisant ces Mais missions. ça fait au moins que je les ai plus, celle-là. Ben, maintenant, faut être patient. Tu mets tes mecs sur des provinces où il y a suffisamment de. Tu sais, regarde, tu prends une armée, tu laisses l'armée sur la province et tu auras ce qu'on appelle la supply limit, la limite de supply en français, je sais pas trop, la limite de Ravitaillement, ouais. ravitaillement. Et tu laisses tes armées là où tu es sûr que tes armées vont pas perdre d'attrition. Et si t'as l'argent, entraîne-les pour faire monter ton professionnalisme. D'accord. C'est un très bon Et goyen. après, bah moi, regarde, en tant que pape, je prends que 241 de mecs par mois. Genre, j'ai une. C'est déplorable. Pas grand-chose, quoi. Ben, je suis un Ouais, mineur, hein. ça Demande à va. l'Ottoman.
Armser, tu prends combien par mois de, man... de MC oh. Tu vas de quoi ah, de manpower ouais. 793. Mais qu'est-ce si on devrait se replier sur un pays colonial en l'état, c'est la meilleure chose à faire. Ouais, il a pas de pays colonial, je pense. Ah oh, la France, contrôleur ah. Oh non, mais t'es sérieux. Bon, je m'absente, hein. Faites pas des choses méchantes. Putain, mon Borgia est mort maintenant, t'es sérieux? Bon, il est pas trop mal, lui, non plus, mais... est-ce que tu ne préférerais pas être allé avec moi? Puisque tu seras quand même allié, mais à un whiner. C'est vrai presque que... pareil. Résus, rien que pour le swag, notre alliance, quand même, pourrait faire mal, tu vois. Même si ça serait une mort instantanée, mais ça aurait été épique et glorieux, quoi. À la trompette. Infinite, mon aimé! Pépé qui aura sucé toutes les bites possibles, tu sais. Mais où est l'ottoman? Camouflé dans les fourrages, mais non, c'est mes cheveux. Je me mettais à l'envers et c'est. Je prends tout, vous m'entendez? Ah, regarde ma Norvège! Eh ouais! Bah oui. Le mais il a une dent contre moi, l'Autrichien! Non, mais l'Autrichien, pourquoi tu veux me focus? C'est quand même assez incroyable! Tu me fais peur! Mais quoi, je te fais peur de quoi? Mais au secours! J'ai peur de l'axe Paris-Varsovie avec un Polonais prussien. Ah non, mais s'il faut laisser tomber la France pour que je survive, moi tu sais. Du coup, et la France me soutient pas vraiment, donc. Mais il manque du sang sain parce que les consanguins. Bon. On reparle encore une fois des picards comme ça, tu prends un pied dans ta bouche. En même temps, les picards. Bah ouais, il a pas tort, non? Picard, c'est un magasin, quoi. Ok, mais Résus, toi, t'es doux, parce que la moquerie est facile, mais... Moi, je suis de l'Anjou, d'Angers. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, capitale de l'Empire Plantagenet, hein, oui, respectable. Ouais, ça fait longtemps, ça, hein. Le bon roi René, tout ça... Le roi King, le roi Crotonnet, ah oui. Ouais, le duché d'Anjou, la clé du royaume de France, donc voilà. Bah, l'orage. Ah, si putain, mais le Danois, il a un empire, quoi. Oh. Il est au Nouveau Monde, je parie. Presque, je suis en train de découvrir. L'Espagne, t'as toujours pas mes îles? Bientôt, bientôt. Ah ouais, en fait, c'est l'Espagnol qui colonise pour le français, t'es. Oh putain, c'est bon. C'est moi, sinon, je colonise pas avant 1600. Je suis plus loin que l'anglais, je suis plus loin que l'espagnol. T'as quoi comme idée J'ai économique et exploration. Ah ouais, mais si t'attaques le Portugal pour récupérer genre Madère, tu peux coloniser quand tu veux, ouais. Je peux pas. Prendre Madère. Parce que j'ai pas le corps. Eh ben, tu prends Lisbonne avant. Ah oui, j'avais pas vu le Maroc portugais. Putain, c'est fait plaisir. Bah, l'Aragon maghrébin. Ah oui, aussi, au secours. Nous ne pouvons plus revendiquer, mais c'est pas grave. Je m'en remettrai. Ah, mais merde. Pour faire la RDC, il me faut encore 4 provinces. Quoi? Putain, t'as pris Moscou, le Danois. Ouais. Non, la RDN, putain, la RDC. Là, tu vas faire la RDN militaire. Avec l'argent du Nouveau Monde, il va être balèze aussi. Hein. Ah, fin de l'âge d'or des comptes de TLA. Ah non, mais... C'est fort généreux de ta part, j'espère que ça a pas débloqué le sub-goal, ça. J'ai pas envie de jouer à Skyrim, moi. Tu joues à Skyrim pour ton sub-goal? Ouais. Tu peux jouer à Enderal, si tu veux. Enderal, c'est bien, hein. C'est pas mal, hein. L'histoire a l'air sympa, j'ai entendu jouer. C'est mieux que Skyrim. Oui, mais il y a juste le genre, moi la mécanique qui casse plus les couilles, là c'est l'ambroisie. Ouais, c'est... Là, qui... ouais, avec les mages, tu peux pas plus jouer mage, c'est insupportable. Bah, c'est ce que je me suis. Moi je suis foutu dans la merde, je joue mage. Et pareil, j'ai lancé une partie mage et puis j'ai vu que ça te met toute ta fièvre. Merci, Mogouka. Non. Je sais pas qui les a eu. L'anglais est un Guadeloupe, sérieusement. What? Déjà? Oh le troll. Mais la RDN n'a pas ses propres idées, je crois. Oh, mais putain, mais généreux, arrête pas de crever. Est-ce que la RDN a des idées Non, je pense pas. Hein. Non. Je vais juste former la République des Nations. Lituanienne, ouais, que ça, je récupérais au pire. Ça te donne des missions en plus, je crois. Vous savez comment on demande à d'autres pays d'ajouter des provinces en intérêt? Non. Tu veux pas, ça. Les pays vassaux? Tu peux pas. Y'a que toi qui peux indiquer que tu veux telle ou telle province. À la limite, d'un de tes vassaux, t'espères qu'ils font un club dessus qui se bouge le fion. Ah, ouais, c'est vraiment j'espère et ça passe. C'est ça. Ouais, merci Torgal. Claim toi-même la province, les vassaux vont faire des claims dessus. Vous avez vu le chat, j'apprends de ce que vous me dites. C'est-à-dire, poulet. Non, je parle à
Alors, si tu claimes toi-même la province, les comment s'appelle tes vassaux. Imaginez que tu. Bah, c'est ce que j'ai fait, c'est J. Bah, c'est bizarre que si tu craches acide en fait. Si voilà, vous trouvez le lien super là, dans quel chat il est, qui arrête pas d'essayer de. Chez PP, il est chez PP, moi j'en suis sûr. Lumia, c'est pas un nom de téléphone. C'est un des modèles de téléphone. Oh, le pape est une grande puissance. Non, vous imaginez. Mais imagine-t-on la papauté mise en examen. Il est juste derrière moi, donc là, dans quelques. Je pense qu'à la fin de la session, il passe devant moi. Non, arrête, vas-y. T'as vu pas loin. Oui, mais c'est pas très riche par rapport à l'Italie. Hein. Je crois que tu connais pas la puissance de l'Italie. Bah, visiblement si. Coucou. Alors, les Skyling, je reviens. Je débarque au Vinland. What? Qu'est-ce qui se passe? Je débarque au Vinland. Oh merde! Ok. D'accord. Faire un don. Non. Ouais, je m'en sors pas trop mal à cette session là. Non. Merci Lumila. T'en offres beaucoup de subs aussi, Lumila. Ouais. Hein. Surtout à Straken, je suis pas sûr qu'il le mérite, Straken. Hein. Je suis pas sûr qu'il le mérite, hein, le Straken, parce que c'est un sacré couard sur. Oui. Tu peux en offrir à mon Spanicus, hein, genre moi je veux bien être aussi premium chez PP. 5 top PP? Ah merde! Non, j'ai pas vu. Non. Attends, d'où il a le droit de passer le Morrow King? Ah, 5 sub et c'est Skyrim! Ça va être franchement, j'ai jamais fait. Moi aussi je demandais, mais refuse. Un genre de style de jeu sur ma chaîne. Fais assassin, direct. Bon, en fait, j'avais joué une fois Skyrim, j'ai fait un perso, c'était un archer assassin. Il était tellement OP, oui. Je me suis fait chier. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas intéressant ce jeu en fait. C'est quoi qu'il faut jouer en vanille pour avoir un peu de difficulté? Ah, bah, guerrier. Voilà. Mage, tu te fais rouler dessus. C'est plus Oblivion où tu peux être méga cheaté en tant que mage. J'irai guerrier, c'est plus rigolo. À la limite. Bah, bon, à savoir, parce que je m'étais vraiment. J'avais trouvé le jeu chouette, mais je m'étais fait chier. Donc là, au pire, peut-être que quelqu'un me donnera des listes de modes qui rendent le jeu un peu plus difficile. Bah, ouais. Sinon, tu peux jouer à Enderal directement. Si tu veux, j'ai un mode. Alors, si tu veux, j'ai un mode de texture 4K pour les tétons. C'est ah, super. J'avais pas vu qu'il y avait Traken dans le chat, malheureusement. Merde. Je suis nul. Si, tu peut-être, Motuta. Que... Mais il est peut-être bugué mon compte de sub. Et mon général. Bah oui, c'est pas rigolo aussi. Allez, il est temps d'y aller. Oh, j'adore les petites baleines qui se promènent là, dans la mer. Qui ouais, ils ont rajouté la mer comme ça se fait hop. Je crois que c'est un mode que j'ai, un DLC que j'ai récupéré pour voir les baleines et tout. Ah ouais? Ouais, je crois qu'ils font payer les DLC et les baleines. Ils font même payer les monuments et tout. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai eu ça dans un pack, je sais plus où. C'est l'anglais, il va bouffer l'Afrique, hein. Ouais, attends, mais quand le danois il va bouffer la Suède? Cet empire nordique? Ah non, il va être monstrueux l'empire nordique. Tu vas faire la Scandinavie ou pas? Non, parce que je vais juste peut-être prendre le nom, mais pas les idées. Parce que les idées sont pas terribles. Les idées sont. Ouais, incarné doucement. On est d'accord. Pourquoi tu ne mets pas d'image de profil sur Twitch? C'est une très bonne question. J'ai pas non plus d'image sur Steam. Parce que je suis une grosse feignasse et que la procrastination. Mais non, tu restes incognito, tu es un assassin. Il ne faut pas que les gens le sachent. Ah merde. Non, mais. Fais exploser ta gueule, toi aussi. T'as tout dévoilé. Pourquoi tu mets pas le général sur ton armée de 25 000 hommes qui conquiert, hein? Ça y est, j'ai enfin fini le siège de Bourré. T'en es où l'instit là? Tu étais sobre ou pas quand tu l'as fini? Elle était trop facile celle-là. Voilà, c'est juste pour Jésus quand même, hein. Je trouve que. Ah, mais ça arrive l'instit. Tu sais, je me suis fait gangbang deux fois, faut bien que j'essaie de penser à autre chose et d'évacuer des choses. D'ailleurs, t'as pas trop perdu pour ton gangbang quand même, hein. Mmh. Non, ça t'en va. Tu t'en es bien sorti, hein. Le mec, il a un gangbang, mais il est quand même vachement loin. Et il a toujours en tête de faire sa putain de Prusse, hein. Mais comment ça? Mais bordel de merde, il y a un Ottoman qui va aller jusqu'en Inde. Une Angleterre qui est free, l'autre qui va former la Russie et le Serge. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une petite Prusse. Bah, j'ai mais t'as vu la Russie, ils font de Moscovie. Ils font de l'URSS, moi. Oh, voilà. C'est encore ça pire. Ça va être grave marrant, ça. Ouais, enfin, bon. Bah oui, ça va être rigolo. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. Ouais. Putain, si je peux éviter les remakes de pactes tripartites. Comment on appelle une Karak en Irak? Non. Je vais pas la comprendre, tu vas devoir me l'expliquer.
Et ça va être en décevant. Ah, elle est facile à trouver en plus. Hein. Une caracognac. Comment on appelle une carac? Bah, une carac ou une loup. Oh. T'es pas encore mort, toi? Je peux pas te crever! Putain, mais faut que j'éclaire la guerre à la Pologne immédiatement. Il a non, pas, non, il va pas crever! On dirait MJ Alpin sur le Monopoly, il reste 10 000 de thunes, il a rien à revendre, mais il tombe que sur les bonnes cases. Tu vois. Non, on dirait Crazy sur Monopoly. De faux, ça m'est arrivé, ça. C'est génial. Tu sais, le mec, il est mort, hein. Il peut rien faire de la game, hein. Mais il continue. Vous voulez pas qu'on fasse un Monopoly que je vous encule vite fait là, sans me faire du mal? Mais t'es un rageux en fait. Non, c'est juste que ça me gave là. Sois patient. Tu t'es pas pris de gangbang, toi. Je vois pas trop ce qui te gave en fait. C'est moi qui fais ta guerre. Mais après, une fois que t'auras fini là, Gibraltar et Malaga, ça va débloquer tout ton arbre de mission. Hein. Tu vas être bien. Ah, d'ailleurs, j'y pense. Parce que c'est peut-être plus un event en fait, le mariage ibérique, c'est pas devenu une mission. Oh, les réformes de Christian 1er. Putain, d'ailleurs, elle est passée où la réforme là? Eh, 100 points administratifs, 150 diplomatiques, 50 points militaires, plus 50 de relations avec tous les pays voisins. Okay. PP, il doit faire chuter la désir de réforme, je pense. Non, c'est pas moi le. Non le... Ouais, j'ai à 107% en plus, moi. Hein. Ouf. C'est pas moi. C'est le gros. C'est toi, Résus. Non, c'est pas toi, Résus. Non. C'est le français. C'est le français. Eh, ton pape s'appelle quand même Marcel II, hein, je suis désolé, hein. C'est naze. Ouais, Marcel II, ça craint un peu. Oui, mais en allemand. En latin, c'est quand même plus classe. C'est Marcellus. Non, mais c'est toujours le nom de vieux mec avec un Marcel. C'est le mec dans Pulp Fiction. Marcellus Wallace. Hein, c'est Marcellus en plus. Marcellus. Est-ce que Marcellus Wallace est une tante? Vas-y, redis quoi. Je défie de redire quoi, C'est quand même une guerre où on a tous des rois de merde, hein, entre l'Autrichien 3-2-0, le Français 0-0-3, l'Ottoman 1-1-0, le Castillan 0-5-2. Moi j'ai un 5-3-1, puis j'ai un hérétique, c'est un 5-4-4. Et moi là j'ai une 3-3-0. Tu vois qui est l'accident de chat, c'est le docteur qui se voit. C'est ça. C'est ça, mon gars. J'ai vraiment pas ce qu'il lui faut, regarde. Oh, la Savoie veut passer chez moi. Oui, c'est ce que j'ai, 32%. Comment ça, l'Ottoman est en guerre contre le Serge? Comment ça se passe? Quoi? L'Ottoman est en guerre contre le Serge? Non, c'est Venise et quelques petites merdes. Tu m'as fait peur là. Ouais, j'ai eu un moment de panique quand même. Comment? Il y a des Autrichiens qui défilent à Constantinople? Vous avez oublié de lever le fort? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont passés par Kerkoporta. Bah oui, passé de clore. La diplomatie, c'est la meilleure des armes dans ce jeu. Quand vous êtes putain, c'est l'IA a bien développé Dijon. Hein. Putain, le Dijonais, c'est plus développé que Paris. Hein. Allez, colonie pénale. Hop, on renvoie tous les déchets sociaux là-bas. Alors, est-ce qu'on peut rejoindre des parties multi si on est nul? Bah, oui, y'a Pépé. Bah, ah oui, regarde, c'est quoi tu parles? Il y a un anglais qui était incroyable tout à l'heure, il nous a tous bluffés. Si tu veux, tu vas sur le forum mounousbellicus.fr, il y a une partie qui se lance vendredi. Chez Mundus, tu vas arriver, bah ton cul va servir de proie à tous les gros vautours tryhardeurs. Non, mais là, les trois quarts des gens qui sont inscrits sont des nouveaux qu'on n'a jamais vus, donc... Oh. Mais ça se trouve, il y a des gros joueurs dedans. Ils acceptent des nouveaux, putain. Je crois que c'est un club fermé d'élitistes. Comment? Tu n'es pas venu avec tes tableurs de près? T'as n'as pas deux écrans? Tu ne changes pas ta compo à chaque truc? Non, bah non. Ah, c'est l'invasion des 1, visiblement, dans le désir de réforme. Oh putain! Il y a peut-être une blague, mais j'ai pas le désir de réforme, on peut pas savoir. Mais je pense que c'est parce que c'est 111%. Mais la réforme est où? Non, c'est pas arrivé, moi j'ai... 111% pourtant. Hein. Putain, ça va péter un moment ou un autre. Tiens, le pape, si tu veux, j'enlève l'alliance de Luce avec l'Aragon. Ça va te faire aller plus vite en Italie. Non, mais moi je suis bien en Italie là. Ça paraît un peu Luce de faire ça. Hein. Merci. Hein. Devrais mourir pour ça. J'ai pas envie de trop manger les princes impériaux. Quoi que lui, je sais même plus s'il est encore prince. C'est vrai que si tu manges trop de princes de lui ou d'un moment. Non, oh, ta gueule. On va mettre un quota Résus pour que. Oh non, non, mais après ça va nous rappeler les heures les plus sombres de notre histoire si on met des quotas. C'est ça. Des quotas pour des blagues de merde, ça serait pourtant justice quoi. Clairement. Justice pour Adama Traoré. Oh ta gueule. pense à ma monétisation. Je vais encore avoir des problèmes. Et puis on est pas là pour faire de la pub pour les déchets sociaux en plus. Hein. L'Aragon est en guerre perpétuelle avec le Portugais, ils sont tous les deux à 0-0. Et la guerre continue. Tu vois, c'est les IAC. Ah, parce qu'il y a des rebelles. Ils sont à 0-0, ils se sont échangés des trucs en fait. Et les rebelles sont en train de reprendre le Portugal.
l'Italie. C'est normal que le Danemark, il est déjà l'Amérique. Ouais. Oui. Ouais, c'est normal. Je vois même pas. D'ailleurs, le Danois, tu peux m'envoyer tes cartes, peut-être, pour que je puisse voir ta progression. Pourquoi pas, allez, attends. Ouais. Comment je fais, attends, dans le commerce, l'économie, l'exécution, voilà. La semaine prochaine, même heure. Mardi prochain, même heure. Ouais. Le retour du roi. D'accord. Mais... attends, est-ce que c'est les versions étendues qui passent sur TF1? Non. Non. Alors, vous regardez pas. C'est ça. Non, en plus, c'est même pas la version originale, c'est la version abrégée qui passe sur TF1. Non, oui. Et je crois que c'est en accéléré, non? Ou le format du film n'est pas le même. Oui, ils le font en accéléré. Il y a des 1.2.3. Ça se mate en VO avec des petits sous-titres et une petite bière avec un grand écran. En VO, pas obligé. Parce que ouais. Et surtout, tu vas le voir au cinéma, au grand écran, tu vois, qu'il faut des marathons. L'année dernière, j'ai acheté mon ticket pour en août, là, donc il y a plus d'un an. Pour aller voir le Philharmonique de Reykjavik faire toute la soundtrack du Retour du Roi. Oh, oui, c'est beau ça. 100 euros, mais j'y suis allé, j'ai pris. Je suis arrivé cash, je suis fauché, je m'en fous. Mais c'est normal.